C'était il y a pas très longtemps, dans une petite forêt enneigée. Vivait un garçon dénommé Spyrox. Nous allons poursuivre cette aventure pendant beaucoup de temps pour savoir ce qu'il adviendra de ce garçon. Donc voilà, salut à tous, c'est Spyrox de la Race Family et on se retrouve pour une nouvelle vidéo, nouvelle série. Donc j'espère que ce début vous aura plu, même si je viens de me faire perdre toute ma vie par un pacifista juste avant. Donc comme vous l'avez entendu par le début de la vidéo plus la musique là, nous sommes dans Minecraft avec un mode One Piece. Donc je vais un peu vous expliquer. Donc là, ce que je viens de prendre, c'est un cerisier. Donc voilà, Cherry Wood, donc bois de cerisier. Alors, ce que je vais faire, c'est trouver du sable déjà. Ah bah parfait.
Alors le but de cette série, ça va être de vous proposer un petit gameplay, histoire de bien découvrir le mode, de faire une excellente série, enfin j'espère. Donc voilà. Et c'est parti, voire même en plusieurs saisons, plusieurs épisodes de 30 à 25 minutes, 25 à 30 minutes. Donc voilà. Alors, là on va juste se faire une petite maison histoire de se protéger car, comme je viens de vous le dire, je me suis fait attaquer à un pacifista juste au début. Donc, j'espère. Bah enfin ça fait mal parce que avec le mode je sais pas pourquoi on récupère pas de vie, ça doit être un bug du mode. Donc on est en 1.6.4 parce que le mode ne marchait que sur 1.6.4. Donc voilà. Alors c'est parti. Comment ça pousse, dis donc. Allons construire de la. Allons prendre de la cobble plutôt. Donc dans ce mode, il y a. Ah oh bah parfait. Justement de la nouvelle. De nouveaux matériaux pour. Donc ils sont pas en masse. Hein. Ça va de 1 à 3. Enfin mon maximum que j'ai eu c'était 3 d'affilée. Sinon le minimum c'est 1 là comme vous venez de voir. Donc il en existe plutôt, donc steel or et dark steel or, un truc du genre. Donc ce qui nous sert à crafter des items, donc je vais vous montrer tout de suite. Alors, déjà il y a les trucs de Zoro, enfin les habits de Zoro, habits de Luffy. Donc, Crocodile, enfin le crochet de Crocodile, arme de Brook, arme de Mihawk, Arlong, Smoker, Excargophone, les bateaux, les épées de Zoro, justement, ça qui sert aussi, un autre bateau, tiens, il y en a deux. What the, c'est la même, mais bon. Les dials, les trucs de Usopp, de Nami, enfin, etc., etc. On y reviendra plus tard. Donc, on va se construire un petit four. Donc, aussi de nouveaux monstres. Hein. Donc, je vous. On en reviendra plus tard sur les monstres. Enfin, je pense en revenir plus tard. Après, on verra. C'est parti pour se construire un peu de. Une hache plutôt pour couper ce bois là. Donc il n'est pas très utile à part à faire joli. Sinon il sert pas à grand chose en fait. Ou peut-être que j'ai pas encore découvert à quoi ça servait, mais à part à faire joli, j'ai rien trouvé d'autre. On va continuer à le couper. Donc les premiers épisodes, comme chaque série, ne sont peut-être pas très amusants. Donc je vous en veux pas si vous accrochez pas au début. Je vais essayer de faire le maximum de moi-même pour que ça soit intéressant. Sûrement. Ah oui, il y a aussi les fruits du démon, j'ai oublié d'en parler. De quels les fruits du démon pour les trouver, c'est faut trouver. Soit tu les drops, mais c'est méga 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 rare. De les dropper ou soit tu les trouves dans le sable dans des temples, donc on ira peut-être faire un petit tour plus tard là-bas. D'abord on va se construire notre maison, donc je pense que vous avez vu au début déjà dans bah non en fait laissez tomber je suis fou. Alors c'est parti, on continue à couper ça. Bon on va se. Ok, là c'est bon, ça se met bien. Hop. On va se faire une porte. Merde. Ok, je savais pas qu'il fallait enlever.
Et là, ça marche. Bon, bah, on va juste se faire un tout petit abri, hein, parce que pas comme si on allait rester là. Enfin, peut-être qu'on va rester là, hein, mais je compte bien bouger parce que ce mode, il sert pas qu'à rester enfermé, hein, il y a beaucoup de choses à faire. Donc, comme j'ai dit, les fruits du démon, les monstres, les nouveaux items. Ce qui peut être utile. Ben déjà, ce qui est utile. Parce qu'il peut être utile. Et mince. Hop. 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 On s'en fout que ça soit du bois différent, même si ça sera un peu moche. Quoique ça fait un petit style quand même. Il commence déjà à faire nuit en plus. C'est ça qui va être chaud, c'est que je peux pas récupérer ma vie. Tiens, si on faisait avec le. Ah, il va peut-être servir à quelque chose. Va falloir se dépêcher un peu parce que c'était quoi ça? Ok, allez allez allez, donc ça c'est une série qui je pense durera longtemps et ça fera pas comme celle d'Andofus où j'en fais vraiment rarement. J'en fais vraiment rarement d'Andofus parce que bah j'ai pas vraiment le temps de d'en faire beaucoup. Alors on peut faire un petit style genre tous les trois mélangés. Je sais pas si ça fera bien. Au pire, on va regarder. Donc pour ce qui est les vidéos Ascensia, c'était bien un petit moment, mais bon, après avoir beaucoup beaucoup joué, ça devient un peu lassant. Du coup, je risque de plus en faire. À moins qu'à un moment j'y rejoue, bah, ce qui m'étonnerait beaucoup. La maison la plus moche au monde, ce que je suis en train de faire. Oh, ça c'est cool que ça en donne 4. J'ai des torches ou pas? Bah ouais, normalement j'en ai des torches. Ah bah ils sont là. Je suis miro en plus. Alors, hop. Lumière, de la lumière, toujours de la lumière. Oh, va falloir aussi peut-être trouver de la bouffe, hein, parce que j'avais pas fait attention. Ouais. Bon, vu que j'ai que ça à ma possession, au moins on aura une vue sur le ciel. Ça sera beau. J'espère que personne ne m'appellera sur Skype et puis. Bon, hein, j'espère. Bon, on va peut-être éviter de se promener trop par là. On va essayer de vite fait prendre ça parce que. Ça, par contre, c'est énervant que je récupère pas ma vie, que j'ai spawné juste devant un pacifista. C'est pas qu'ils sont. Qu'ils attaquent fort. C'est juste qu'ils sont beaucoup beaucoup résistants, mais par contre dans l'eau ils meurent directement, enfin ils prennent quand même du temps à mourir. Faudra peut-être que je me fasse une pomme dorée, ça pourrait être utile. Ouais, mais après si j'ai plus de bouffe, ça va être chaud. Bon, au pire on verra comment on fera
quand ça sera le matin. Waouh, il manque un petit peu. On va y retourner. Ça va, les monstres, ils ont l'air d'être de l'autre côté. Oh, wow. Comment ils apparaissent de comme ça là eux? Heureusement qu'ils peuvent pas grimper eux. Heureusement que les araignées aussi m'ont pas vu, sinon je pense que je serais déjà mort. Ça serait un peu nul enfin en début de partie. Hein. D'ailleurs en parlant de début de partie, ouais, ça va, il nous reste encore une vingtaine de minutes. Qu'est-ce que je parle de vingtaine de minutes? Alors, on va commencer à miner. Ok, le truc qui sert à rien. Pourquoi j'ai miné par là? Oh. Hop. Ah bah tiens, il est fini. Voilà à quoi ça ressemble, un style lingot. Après, il y en a d'autres sortes, donc j'essaie de les trouver rapidement pour pouvoir vous les montrer et vous... Bah, que vous puissiez en profiter hein, avec ce que je vais faire. Ok, on est en dessus le... Ça fait un petit style. Ok. Ça commence bien. Bon, on va dire c'est pas grave, c'est le commencement. C'est normal, donc... on va essayer de... Ah ouais, carrément. Ah bah oui, ils ont pu rentrer. C'est logique. On va essayer de perdre pas trop de vie. Je vais devoir refermer là-bas. Je pensais que tomber en fait c'était une grotte, mais non, c'était là où j'étais tout à l'heure, donc ça fait mal. Oui, il y a des berries. Je sais pas quoi ils servent par contre. Ouais, j'ai quand même récupéré ce que j'avais parce que c'est pas que c'est important, mais quand même c'est important. Allez, on referme ça tout de suite pour éviter plus de catastrophes. Alors, bon, on va continuer par là, ça sera plus pratique. En espérant pas tomber sur des monstres trop gros. Par exemple, il y a le monstre Mihawk. Très résistant, il nous one shot en deux coups, même pas. Donc vaut mieux éviter pour le début hein, de le trouver. Déjà que les pacifistas c'était pas déjà très bien pour le début. Allez, on grimpe, 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 on grimpe. Ouais. Alors, où s'en est avec le jour? Ah oh, bah il va bientôt se lever. Ça fait grand quand même comme ça. Fait genre trou noir. Bah ouais, du coup j'ai récupéré ma pomme. Du coup, si je manque de bouche, je pourrais me la mettre. Hop, 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 hop.
Non, on va peut-être garder ça en fait. On va essayer de trouver de la bouffe. Alors, par contre, ce qui est bizarre dans ce mode, c'est que les squelettes ne peuvent pas vous toucher. Donc, ça c'est un peu pratique quand même. Mais c'est un peu cheaté aussi. Mais par contre, les autres monstres font très très mal. Bah, tenez, on va se balader un peu par là avant la fin. Pour. Oh, je crois que ça avait bugué. Pour essayer de trouver ben, un fruit du démon en fin de vidéo, ça peut être sympa. Ah, c'est pas vraiment un biome sap, ça en fait. Ça peut être utile, ça. Allez, allez. Faut pas que je me perde non plus, hein. Au pire, si je me perds. J'ai juste à mourir, mais bon, ça ferait. Oui, c'est bizarre ça. On va essayer d'aller toujours tout droit hein, pour pas se perdre. Au pire, il n'y avait pas trop de choses intéressantes, même si j'ai déposé la plupart de mes trucs. Regardez, il y a qui là-bas? J'ai pas de trucs importants. Je vais vous faire une petite démonstration de talent acrobate. Ça sera ça en fin de vidéo. Je vous présente œil de faucon Miyok. Donc voilà une défaite de haut niveau, hein. Plutôt du haut niveau pour lui qui vient de me mettre une excellente raclée. Donc on va essayer de retrouver notre spawn. Ok, je sais pas où est notre spawn. Mais je dois vous laisser maintenant. Je suis vraiment désolé. Bah voilà, on a retrouvé. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je continuerai cette série avec plaisir. Je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Bye tout le monde.